Non, tu restes là. Et enfin, double de 9, 18. Alors, pour les familles, ce tableau des doubles est à retrouver sur le site internet Lumni. Moi, je vous conseille cet après-midi, lorsque vous avez un petit peu de temps, de revoir avec votre enfant, de lui poser des questions exactement comme je viens de le faire. Vous lui demandez quel est le double de 2, quel est le double de 6, etc. De revoir un petit peu les moyens mnémotechniques qu'on a travaillés, soit mettre sur les doigts, soit mettre en tête le premier nombre, puis de le rajouter ensuite sur les doigts. Voilà, moi je vous encourage à faire ce premier travail. Les doubles, on peut aussi les avoir que lorsque l'on joue aux cartes. Donc en fait, vous voyez ici, on a le double de 6, mais également le double de 5. Et là, il nous manque quoi? Le double de 7, 14. Très bien, maintenant on passe au nombre. Alors, ce tableau des nombres, vous avez certainement dû le travailler avec vos maîtres et vos maîtresses. C'est un tableau dans lequel il y a tous les nombres. De 0 jusqu'à 100. Ils sont classés par ligne. On les appelle par famille. Souvent, c'est comme ça qu'on le dit en classe. Et si vous remarquez bien, les familles, par famille, ils commencent tous par le même chiffre. Si on regarde la première ligne verte, tous ces chiffres-là commencent tous par un 1. Donc, on va les dire ensemble. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. C'est trop facile. Je passe à la première ligne, je le redis rapidement. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La deuxième ligne, le chef de famille, c'est la famille des 20. C'est-à-dire que tous les nombres qu'il y a sur cette ligne vont commencer, on va les dire, en commençant par 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Attention, il y a juste un petit quelque chose pour le 21. Celui-ci, il a un petit mot entre le 20 et le 1. Comme tous les autres d'ailleurs. 31, 41, 51, 61, etc. D'accord? Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que nous allons jouer au jeu du furet. Je pense que c'est un jeu que vous faites également en classe avec vos maîtresses ou vos maîtres. C'est-à-dire qu'on va compter de 2 en 2, ou de 1 en 1, ou de 5 en 5, peu importe, en avant ou en arrière. Donc ça, pour les parents, c'est également un petit jeu que vous pouvez faire avec votre enfant, avec ou sans support du tableau. Donc ça, c'est vous qui voyez en fonction de comment vous sentez votre enfant, pour pouvoir le faire travailler sur ce qu'on appelle comme des petits sauts de grenouille, en fait. Voilà. Alors, on peut se placer dans n'importe quel nombre, sur n'importe quel nombre. Et puis aujourd'hui, on va avancer de 2 en 2. Alors voilà, je vous propose, on commence à 22. Et on va avancer de 2 en 2 jusqu'à 40. Allez, c'est parti. Donc, 22, 24, 26, 28. Là, je vais dans la nouvelle famille des 30. 32, 34, 36, 38, là il manque un 9, 40. D'accord? Voilà, ça c'est le jeu du furet. C'est quelque chose que vous allez pouvoir refaire. On le refait maintenant, mais attention à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va reculer. On y va. Je me place par exemple au 46 et on va descendre jusqu'au 24. C'est parti. Donc je suis à 46. Je saute deux cases. 44. 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, je remonte encore, 28, 26, je ne sais plus si j'avais dit qu'on s'arrêtait à 26 ou 24, on va dire jusqu'à 24, on s'arrête donc à 24, moi, c'est du 22. D'accord? Donc ça, c'est un petit travail que vous pouvez faire avec vos familles. Alors, on y va. Maintenant, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de me donner le nombre que je vous montre. D'accord? Alors, ici, on a dit que c'était les chefs de famille. 10. Alors, cette ligne-là est un petit peu particulière. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. 20, 30, 40, 50, 60. Celles-ci sont un petit peu particulières également. On y reviendra ensuite. Et enfin,
Ici, on a donc les unités. Et à chaque fois, on revoit, on remarque qu'il y a les unités à chaque fois dans chaque colonne. Alors, si je vous demande de me montrer, alors là, il va falloir vous approcher un petit peu de l'écran, pas trop près, mais un petit peu quand même. Vous allez essayer de me montrer le nombre 37. Ok, dans la salle, il y a des... Dans la salle, il y a des invités. Alors, on remonte 37. Okay. Ce nombre-là fait donc partie de la famille des 30. Donc, il sera forcément dans cette ligne-là. Et il se termine par 7. Donc, dans cette colonne-là, on obtient donc le 37 ici. Nouveau nombre. Attention. Nous sommes donc, je vous propose maintenant le nombre 43. Vite. Alors, 40. Non. Okay. Le 40, c'est un nom que l'on rencontre. C'est un petit peu plus près, normalement, dans votre tête, puisque c'est un nom que vous avez dû rencontrer avec votre maître ou votre maîtresse il n'y a pas très longtemps. Mais néanmoins, ce 40, il vous fait penser à K. Alors, ce 43. Famille des 40. Il se termine par un 3, le 43. On le trouve ici. Oh non, vous êtes correctement quand. Nouveau nombre. Alors attention, vous avez dit qu'on allait retravailler un petit peu ensuite sur cette famille des 10. Cette famille des 10, ils ont quelque chose de très particulier, puisqu'en fait, entre celui-ci et celui-ci, on ne dit pas 10, 1 ou 10 et 1, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ni 10, 2, ni 10, 3. Mais ils ont quelque chose de bien particulier. Ils ont un nom à eux bien spécifique. On va retravailler après parce que c'est pareil, il faut savoir les écrire en lettres, etc. Mais ça, on verra ça plus tard. Celui-ci, c'est le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, et enfin le 16. D'accord ? Donc, si on marque bien, tous ces nombres-là, moi, j'ai compté de 1 à 500. 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 16. Il faut bien écouter qu'est-ce qu'elle demande. Je te demande de me montrer bah, le 15. Allez, le 15. Donc, le 15, le début, on le trouve. Ça ne fait pas trop appel à nos chefs de famille. Bien. Par contre, c'est quelque chose que l'on vient d'entendre. Donc, a priori, on est dans la famille des 10. Alors, ce 15, 12, 13, 14, 15. Voilà, ce 15 s'écrit une dizaine et 5 unités. C'est comme ça. D'accord. Ce tableau-là, donc là, je m'adresse aux parents. Ce tableau-là, vous pouvez vraiment le retrouver. Vous pouvez aussi le fabriquer chez vous sur une feuille avec un quadrillage. Vous pouvez faire colorier votre enfant. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, un jeu qui peut être intéressant à faire, c'est vous faites le quadrillage au stylo. Cette étape-là, on peut dépasser déjà. Au crayon à papier. T'as envie ? T'as envie cette étape-là ? Oui, c'est pour ça qu'on peut dépasser cette étape là. Quelle est la bonne colonne, etc. pour pouvoir ainsi trouver le bon nombre que vous demandez. Tu peux rester assis. De remplir toute une ligne, etc. Soit vous lui entourez certaines cases. Par exemple, vous lui dites, vous imaginez que le tableau n'est pas forcément. Oui, ton cas, je suis d'accord qu'on peut dépasser cette étape. Celui-là, c'est quoi ? Comment il s'écrit ? Et celui-ci, comment il s'écrit ? Voilà, ça ce sont des petites pistes que vous pouvez faire avec votre enfant très régulièrement, en tout cas dans la journée, qui ne demandent pas énormément de temps, et puis en fait votre enfant va se créer ce tableau de ce tableau de c'est un outil vraiment qu'on utilise très régulièrement. Voilà pour la partie nom. On passe maintenant à la partie résolution de problème. Là, il faut être. Tous les jours, il va y avoir des petits problèmes de la vie quotidienne, de la vie courante. Avec des nombres plus ou moins. Là, tu rates correctement. Avec des opérations, il y aura des retenues, d'autres, il n'y en aura pas. En tout cas, on va s'amuser, on va jouer, on va jongler avec tous les nombres. Et en fait, c'est en jouant et en manipulant régulièrement les nombres que tu vas être de plus en plus à l'aise pour pouvoir apprendre à travailler sur des nombres qui vont être de plus en plus grands. Et notamment au CE1, où tu vas travailler sur des nombres
au-delà du nombre 100. Alors, on y va pour la première situation ou problème. Alors, on imagine, j'ai une boîte. On va travailler très régulièrement avec cette boîte. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette boîte? C'est qu'elle nous permet de vérifier le calcul que l'on vient de faire. Donc, cette boîte, je vais y placer les cubes qu'on nous demande. Je vais faire un petit peu la manipulation. C'est... On va la laisser de côté. On va travailler sur notre feuille. Et on prendra notre boîte après pour vérifier. Donc là, pour les parents, j'ai fait... Parce qu'elle a oublié de commencer par le début. Que ces cours-là, ça va continuer. Une boîte à chaussures, ça peut être n'importe quoi. J'ai pris, alors moi, j'ai du matériel un petit peu de l'école. C'est pour aider les parents, parce que ce n'est pas tous les parents qui connaissent la méthode. Des pièces à emboîter, on va dire ça comme ça, qui vous permettent de faire soit des unités, comme ça, soit des dizaines, comme ça. C'est-à-dire que là, j'ai placé 10 petits cubes, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Voilà, alors on y va pour la première situation. Pour commencer, je mets 13 cubes. Alors on y va, 13 cubes, combien de dizaines, combien d'unités? Alors, 13 cubes, en plus ce tableau est extraordinaire, je peux écrire dessus. 13 cubes, on y va, je décompose, j'ai donc une dizaine et 3 unités. C'est vrai? D'accord? Alors, c'est bien, en vrai, c'est un j'ai une dizaine. Oui, c'est un vrai stylo. Quand... 7, 8, non, mais il est écrit sur du verre. Et je place, on a dit, 3 unités. D'accord? Je les place dans ma boîte. Ensuite, je mets encore 5 cubes. On y va. 1, 2, 3, 4. Non, c'est comme la télé directement. Et quoi. C'est pas un projecteur. Ai-je 2 cubes au total dans j'ai ma pas boîte. Dit que c'était un projecteur. Alors, non. Plein de possibilités. Donc on va faire la première ensemble, puis ensuite je vais vous, pour les autres, les situations suivantes, je vais vous laisser un petit temps pour travailler, pour réfléchir un peu tout seul. Alors on y va. La première, on a donc une dizaine. Vous avez remarqué ma dizaine, je la représente comme ça. Puis j'y ajoute 3 cubes. Tu vois là, 3 unités. Un fantôme qui écrit. Donc tu là, vois on pas la dame qui écrit. Non. Ensuite j'ajoute 5 cubes. Un fantôme. C'est le caméra qui... Tu veux, en réalité, c'est N qui démarre et après le caméra qui prend vite la partie alors, sans N. On a un autre caméra. Une dizaine qui représente donc 10 cubes et plus. Donc on part de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. C'est vrai. Maintenant, on a déjà trouvé. Donc avoir 18 cubes dans ma boîte. 18, là pour le coup c'est quelque chose dans le tableau qu'on l'a vu aussi tout à l'heure. 10, la famille 10, 8, on reprend. Très bien. C'est facile pour toi, mais c'est pas tout pour tous les enfants. Je pars de 10, je récupère mes cubes et je les compte. Là j'ai tous mes cubes. Je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai donc bien 10 plus 8. J'ai donc bien 18 cubes. On passe à la deuxième situation qui est très similaire. Hein? Comme allez, maintenant, tu vois, dans ma boîte, magique, je mets 17 cubes. Ok. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je mets encore 15 cubes. 32. Attends, j'ai trouvé, c'est 32. Ok. Donc, j'ai rajouté... Une barre, une dizaine, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. La question est maintenant, combien ai-je de cubes dans ma boîte? Je la laisse de côté et maintenant on va travailler un petit peu plus là-dessus parce que c'est un tout petit peu plus complexe. On y va. Comme tout à l'heure, on avait dit donc une dizaine. Alors je pense que tu connais cette nomination, le D pour dizaine et 7 unités. Et là pareil. Et après, et 5 unités. On y va. On les trace. Ok. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour tracer les 7. Alors, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Et ensuite, je place donc ça c'est les 17. Et maintenant, je place donc les 15. Plus, donc ma dizaine, plus les 5 unités. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Donc là, on a maintenant 2 dizaines. Jusque-là, on est d'accord. Maintenant, on va compter le nombre de cubes tout seul que l'on a. C'est vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai bien raison. Eh bien donc, ces 10-là, c'est 10 unités. On peut les échanger, ça fait donc quoi? 32. Ça fait également une dizaine. Il me reste combien d'unités? 2 unités. Alors, dites-moi, combien j'ai de cubes en tout? 2 dizaines. Plus une dizaine, on est donc à 3 dizaines. D'accord? J'y ajoute mes 2 unités. On est donc 32. 3 dizaines, c'est la famille des 30. Est-ce que tu savais que c'était 32? Et 2 unités. J'ai pas 32 encore. On vérifie rapidement dans la boîte. J'attendais pour être bien sûr. Donc 10, 20. Et 17. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32. C'est vrai? Ouais, moi c'est trop facile. D'accord? Ok. Attends, c'est pas encore fini. Allez, hein. Situation. Et là, je vous laisse la faire tout seul pour demain. Attention, je vous donne des devoirs. Pour demain, voilà la situation que vous devez faire tout seul. On va imaginer que vous avez une boîte, vous avez 27 cubes. Alors, pour les parents, des cubes, c'est pas forcément ce que j'ai, hein, y a pas de problème. Oui. Si vous voulez mettre quoi que ce soit, ce que vous avez en quantité assez importante à la maison, je ne veux pas donner de marque, je ne veux pas donner de produits alimentaires ou je note pour voir si c'est vrai. Je le dirai pas. Je note ce que tu m'as dit. Si vous cherchez un petit peu dans votre maison, il y a forcément des cubes que vous corriger. Avez en grande quantité. D'accord. Je mets 27 cubes, j'y ajoute encore 13 cubes. Ça, c'est le travail pour demain. D'accord. On en a terminé pour les problèmes. Allez, on passe à la suite. Allez, le calcul pour les CE1. Hop, je range mon petit matériel. On y va. Les 5 dernières minutes sont consacrées au CE1. C'est parti. Alors, les CE1, posez calcul. Alors, est-ce que vous vous souvenez comment est-ce que nous faisons une addition? D'accord? Ici, on est maintenant sur des nombres à 3 chiffres. 253 plus 142. Allez, 253, ils sont placés dans un tableau de numération. Au départ, vous pouvez utiliser ce tableau de numération. Ça, c'est pareil pour les familles. Vous tracez sur une feuille des traits verticaux au stylo. Et ensuite, les enfants écrivent au crayon à papier dessus. Comme ça, ils peuvent gommer, etc. C'est parfait. Mais l'important, c'est de placer les unités sous les unités. Les dizaines sous les dizaines. Et les centaines sous les centaines. C'est quelque chose de fondamental pour tout le calcul. Dans les grandes classes, au collège, tout le temps, l'unité sous l'unité. Ça, c'est la priorité des priorités. Alors, on y va. 3 plus 2, ça donne donc 5. D'accord? 5 plus 4? 9. 2 plus 1? 3. Le résultat, donc, de 253 plus 142, ça donne donc 300. 95. Allez, à vous. Maintenant, c'est le devoir. Alors, ce deuxième calcul, je vous propose de poser l'opération, de poser l'addition de 179 plus 18. Alors, quelles sont les unités ici? Effectivement, c'est le 8. Et le 9. Donc, ça fait combien? Allez, on y va. Attention. Au mois de mars en CE1, on se dit que normalement les retenues, les opérations avec ou sans retenue, on doit pouvoir en proposer. Allez, on y va, on corrige. La colonne des unités. 9 plus 8, 17. Dans 17. Attention, le 7, je le place dans la colonne des unités, parce que c'est une unité. Et le 1, je le place dans la colonne des dizaines. Parce que c'est une dizaine et donc elle va être
elle est forcément à inclure dans les autres dizaines. 1 plus 7, on est à 8. Plus 1, ça fait 9. Bon. Et enfin, dans les synthèses, on n'a rien du tout. On n'a même pas de mine. On est à 197. On n'a même pas d'encre. C'est juste quelque chose qui sort. Le dernier. Alors, celui-ci, vous allez le... Je vous le propose à faire pour demain. D'accord ? Donc, celui-ci, pareil, on recherche... C'est un écran électronique, c'est pour ça. On est donc les unités dans 357, le chiffre des unités... Le tableau électronique. Plus 89, c'est également... Et le crayon... Le 9, je ne sais pas pourquoi également, mais en tout cas, c'est le 9. Donc, dans le tableau, lorsque vous allez poser votre opération, votre addition... Surtout, faites bien attention de mettre l'unité sous l'unité et ensuite un chiffre par colonne. Allez, c'est pas de mal, là. On corrigera, vous pourrez trouver le corrigé sur l'UMNI. On pourra le revoir aussi demain, voilà, s'il y a besoin. Voilà, donc sur le site de l'UMNI, vous allez pouvoir trouver des ressources complémentaires par rapport à tout ce qui a été vu ce matin en mathématiques. Vous retrouverez également les informations que vous... Ça, c'est la première étape, mais plus facile pour aider les parents de se mettre à l'aise. Là, on a fait des petits calculs. Le problème également, le problème qui est à faire pour demain, mais également l'opération qui est à refaire pour les CE1. Vous retrouverez toutes les ressources du travail que nous venons de réaliser sur le site internet LUMNI. Je vous écris le site internet sur le tableau, comme ça vous allez pouvoir le copier. C'est LUMNI pour le... HTTP. /www.lumni.fr. À demain. Donc il n'y a que le maths qui donne. Et le français, il n'a pas. J'ai fait. Ah oui, première partie et les affaires. On a tout fait. Bah oui.